Salut tout le monde, c'est Miru83 et on se retrouve sur Black Ops 2 pour une vidéo astuce en zombie sur la map Buried. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous donner quelques informations à propos du couteau bruit et du point taser. Alors il faut savoir que vous ne pouvez pas avoir sur vous ces deux armes là à la fois. Donc c'est pourquoi dans un premier temps je vais vous parler du couteau bruit, puis dans un second temps du point taser. Et après vous avoir parlé de ces deux armes là, je vous ferai un comparatif pour savoir laquelle de ces deux armes est la plus intéressante. Alors je vous donnerai mon avis, après libre à vous de choisir le vôtre une fois que je vous aurai donné les informations à propos de ces deux armes blanches, si on peut considérer ça comme des armes blanches. Et puis voilà, donc je vais vous parler du couteau bruit en premier, comme je vous l'ai dit. Donc il faut savoir que ce dernier se trouve dans le saloon, juste derrière les décombres qui vous bloquent l'accès à l'étage de ce dernier. Donc vous avez deux possibilités pour acheter le couteau bruit, soit d'y accéder au rez-de-chaussée en ouvrant la porte du saloon, puis en enlevant les décombres qui bloquent l'accès à l'étage de ce dernier, ou alors en y accédant par le toit. Je vous montrerai en fin de vidéo le chemin à suivre pour y accéder par le toit, pour ceux que ça intéresse. Donc il faut savoir que le couteau bruit vous coûte 3000 points, et après l'avoir obtenu, ça vous permettra d'infliger plus de dégâts lorsque vous donnerez des coups de couteau aux zombies. Donc il faut savoir que ce n'est pas négligeable, parce que vous ferez pas mal de points, parce qu'à chaque fois qu'un zombie sera tué par un coup de couteau, vous ferez 130 points. Donc par exemple, si vous tuez... je ne sais pas moi, ben 100 zombies par exemple, on va faire simple, hein, 100 zombies, et ben 100 fois 130, ça vous fera 13 000 points. Donc ça vous fera vraiment beaucoup de points que vous pourrez soit les mettre dans la banque, ou alors les dépenser pour acheter tel ou tel objet ou tel atout, enfin vous m'avez compris. Donc c'est vraiment très utile, et c'est pourquoi je vous conseille vivement d'acheter soit le couteau bowie, soit le point taser. Alors, puisque je vous ai dit que le couteau bowie infligeait plus de dégâts que le couteau normal, pour les zombies, lorsque vous donnez des coups de couteau aux zombies. Donc je vais vous parler de sa puissance. Donc il faut savoir que ce dernier one-shot les zombies de la manche 1 à la manche 9. Donc one-shot, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est tout simplement que ça tue les zombies en un seul coup de couteau, enfin en un seul coup de bowie tout simplement. Et alors attendez, je vais voir sur mon PC pour savoir à partir de quelle manche il faut tel ou tel coup de couteau, parce que je ne les connais pas par cœur évidemment, hein. Donc le bowie tue en deux coups les zombies de la manche 10 à manche 16. Il vous faudra 3 coups pour tuer zombies de la manche 17 à 21 et 4 coups à partir de la manche 22. Alors bien sûr, si vous êtes à la manche 30, 50, enfin dans une manche supérieure à celle de la manche 22, il vous faudra certainement plus que 4 coups de couteau. Mais sachez, enfin je vous conseille personnellement de donner des coups de couteau uniquement lorsque vous les one-shotez, ou alors lorsqu'il faut 2 coups pour les tuer, et encore à condition qu'ils ne soient pas très nombreux, parce que si jamais ces derniers sont, je sais pas moi, 4, 5 voire plus, ils risque de vous encercler, vous allez vous faire tuer. Donc c'est pourquoi je vous conseille uniquement de tuer les zombies avec le couteau bruit ou le point taser uniquement lorsque vous les one-shotez ou lorsqu'il faut 2 coups. Alors par contre, si vous êtes à manche 40, 50 où il faut normalement 8 coups voire 10 coups, mais que vous avez à mort instantanée, privilégiez le couteau bruit ou le taser à condition qu'ils ne soient pas trop nombreux, encore une fois pour éviter de vous faire encercler et de vous faire tuer bêtement. Donc il faut savoir que le couteau bruit vous permet aussi de réaliser une partie d'une des étapes du secret de Maxis ou de Richtofen. Donc je ne vais pas vous parler du secret, hein, je vous le ferai lors d'une prochaine vidéo très bientôt. Je compte faire lors d'une prochaine vidéo vous parler du casier à armes et de la banque, lors d'une prochaine vidéo des objets de construction, et enfin du secret de Richtofen je pense, et puis plus tard celui de Maxis. Alors quand je dis enfin, ça ne sera pas la fin des vidéos à propos d'un map buried, hein. Je dis enfin parce que peut-être que certains d'entre vous sont assez impatients à l'idée que je vous fasse la vidéo à propos du secret. Donc voilà en ce qui concerne le couteau bruit. Donc je vais maintenant vous parler du point taser. Donc pour l'obtenir, ça va être un peu plus difficile, parce que non seulement il vous faudra plus de points, 6000 contrairement au couteau bowie qui lui coûte 3000, donc le prix du taser est le double de celui du couteau bowie, hein. Mais en plus de ça, vous ne pourrez pas l'acheter au tout début, tout simplement parce que le point taser n'est pas placé sur le mur. Donc pour cela, il suffit d'accéder au gunsmith, parce que c'est ici que le point taser s'y trouve, hein. Et une fois que vous êtes devant ce point taser, il suffit de prendre sa silhouette et de la dessiner sur un des 6 murs où se trouve un point d'interrogation. Donc pour cela, vous maintenez la touche d'action qui est soit carré sur la
PS3 ou alors la touche X sur Xbox 360. Puis vous allez, une fois que vous avez cette silhouette qui est symbolisée par une craie en bas à droite de votre écran, vous la dessinez sur un des 6 murs de votre choix où se trouve un point d'interrogation en maintenant de nouveau la touche d'action, et du coup vous pourrez acheter le point taser. Alors pour accéder au Gunsmith, tout comme le saloon, vous avez deux possibilités: soit d'y accéder au rez-de-chaussée en enlevant les décombres qui vous bloquent l'accès au rez-de-chaussée du Gunsmith tout simplement, ou alors en y accédant par le toit. Je vous montrerai encore une fois en fin de vidéo, le chemin à suivre pour accéder au toit du Gunsmith en fin de vidéo. Donc voilà pour l'emplacement du point taser. Donc une fois que vous avez obtenu ce point taser qui coûte, encore une fois je vous le rappelle, 6000 points contrairement au couteau bois qui lui coûte 3000 points, cela vous permettra d'infliger plus de dégâts aux zombies lorsque vous leur donnerez des coups de taser. Alors il faut savoir que le taser est bien plus puissant que le couteau Bowie. Donc ce dernier, donc le taser, hein, tue les zombies, excusez-moi, en un seul coup de la manche 1 à la manche 13. Il vous faudra deux coups à partir de la manche... Alors attendez... À partir de la manche 14 jusqu'à la manche 21, inclus, hein, il vous faudra 3 coups de la manche 22 à la manche 25, et enfin 4 coups à partir de la manche 26. Mais là, encore une fois, je vous conseille de taser les zombies uniquement lorsque vous les one-shotez, ou alors lorsqu'il faut seulement 2 coups pour pouvoir les tuer. Donc voilà en ce qui concerne la puissance du taser. Donc vous avez remarqué qu'il est bien plus puissant que le couteau Bowie, hein. Et il faut savoir aussi que ce dernier vous permet de réaliser une partie d'une des étapes du secret de Maxis ou de Richtofen, exactement la même étape que celle du couteau Bowie, hein. Donc voilà en ce qui concerne le taser. Ah si, dernière petite chose, excusez-moi, j'allais oublier, si jamais vous achetez le point taser, celui-ci vous permettra aussi, si jamais vous le désirez, de pouvoir partager de l'argent avec l'un de vos collègues. Donc pour cela c'est très simple, vous allez à la banque, vous verrez derrière celle-ci deux clés, juste avant de prendre le souterrain qui lui vous permet d'accéder au rez-de-chaussée du Gunsmith, hein. Donc vous verrez ces deux clés, il suffira de les taser, donc vous faites R3 pour les taser, hein, et vous aurez alors un texte affiché. Alors je ne sais plus ce qu'il dit exactement, mais en gros il vous dit maintenez la touche d'action, donc qu'il soit carré sur PS3 ou alors X sur Xbox 360 pour donner de l'argent. Donc il faut savoir que vous pourrez donner de l'argent au autant de fois que vous voulez, à condition d'avoir les points requis, parce que vous pourrez donner 1000 points par 1000 points. Mais par exemple, si jamais vous voulez donner 10 000 points d'un coup, vous pourrez, hein. Il suffit tout simplement de maintenir 10 fois d'affilée la touche d'action, et vous verrez alors devant la banque un bonus qui fera son apparition, qui est le bonus point, et vous aurez alors 26 secondes avant que ce dernier ne disparaisse pour pouvoir le prendre, et pour que le joueur intéressé qui a besoin de l'argent puisse prendre ce bonus afin de récolter les 10 000 points qu'a donné l'autre joueur. Donc voilà en ce qui concerne le partage de l'argent, mais de toute façon je vous donnerai plus d'informations à propos de ça lors d'une prochaine vidéo, lorsque je vous parlerai de la banque, parce qu'il y a quelques petites choses en plus à savoir concernant le partage de l'argent. Mais vu que là c'est plutôt une vidéo à propos du taser et couteau Bowie, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc c'est pourquoi je vous donnerai plus d'informations donc prochainement lorsque je vous ferai la banque. Il y a 2-3 petites choses en plus à savoir. Et puis donc voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit, excusez-moi, à propos du point taser. Donc maintenant je vais vous faire un comparatif entre ces deux armes blanches, hein, ou ces deux armes de mêlée, appelez ça comme vous voulez. Donc comme vous l'avez vu, le couteau Bowie vous coûte 3000 points alors que le taser lui coûte 6000 points, hein. Donc là l'avantage du prix revient plutôt au couteau Bowie. Donc on va dire qu'il y a 1-0 pour le couteau Bowie par rapport au taser. Mais il faut savoir aussi que le taser est bien plus puissant que le couteau Bowie. Donc du coup, si jamais vous tasez les zombies jusqu'à la manche 13, vous ferez bien plus d'argent qu'avec le couteau Bowie, excusez-moi. Donc du coup, même si vous dépensez 3000 points en plus, vous aurez largement l'occasion de rembourser vos 3000 points, et vous aurez même encore plus d'argent, ce qui vous permettra de les mettre dans la banque ou alors de les dépenser comme bon vous semble. Donc il y a 1-1 pour le taser et le couteau Bowie, excusez-moi. Donc ces deux objets permettent aussi de réaliser une partie d'une des étapes du secret de Maxis ou de Richtofen. Donc là il n'y a pas de point négatif pour l'un ou l'autre, donc il y a toujours 1-1. Par contre le point taser vous permettra lui de pouvoir partager de l'argent à la banque avec l'un de vos collègues, alors que le couteau Bowie lui en est incapable. Donc on va dire qu'il y a 2-1 pour le couteau Bowie, le point taser, excusez-moi. Donc il se
serait préférable, selon moi, d'acheter le point taser plutôt que le couteau Bowie. Après, libre à vous de choisir l'arme que vous préférez, hein. Moi, je vous ai donné mon avis. Pour moi, le taser est bien plus efficace et bien plus pratique que le couteau Bowie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça va vous aider aussi. Et puis, si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à mettre un commentaire. Si jamais vous avez des suggestions, excusez-moi, des informations, des questions à me poser, n'hésitez pas à me le faire savoir et je vous y répondrai. Et puis, en attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut! Comme c'est souvent le cas dans la vie, il manque quelque chose. Oh!